Salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour apprendre une nouvelle recette de cosmétiques. Et aujourd'hui, je vous propose d'offrir une touche de glamour et de sexy à vos lèvres. Grâce à cet indispensable, j'ai nommé le rouge à lèvres rouge carmin. Toute femme qui se respecte se doit d'en avoir un dans son sac. Et alors, apprendre à le faire soi-même, c'est encore plus la classe. Pour le réaliser, trois ingrédients. La base Stick Melt & Pour. Ce colorant rouge baiser et la fragrance cosmétique pomme d'amour. Il vous faut également un mini fouet que voici, un bol en inox, une balance de précision, un étui rouge à lèvres et un moule à rouge à lèvres en silicone. Et enfin, bien sûr, une spatule. Avant de se mettre à l'œuvre, je vous rappelle qu'il faut bien se laver les mains avant et s'assurer que son plan de travail soit également propre et sec. Et bien sûr, laver tous ses ustensiles de fabrication. Tout d'abord, on va préparer notre moule à rouge à lèvres. On va enlever le capot ainsi que le socle du rouge à lèvres vide. Voilà. Puis, on va tourner la partie blanche du mécanisme au maximum. Voilà, comme ça vous voyez, la partie transparente du corps de l'étui, elle doit ressortir. Ensuite, on va venir clipser cette partie dans le moule à rouge à lèvres, comme ceci, afin qu'il ne puisse plus bouger. Hop. Alors tout d'abord, on va peser et transférer dans le bol inox 9 g de la base Stick Melt & Pour. C'est un ingrédient support de formulation pour la réalisation de produits anhydres, c'est-à-dire de produits qui ne contiennent pas d'eau, comme notre rouge à lèvres. Ça va permettre à notre rouge à lèvres de bien glisser sur nos lèvres, ça va également permettre une bonne dispersion du colorant et ça va également nourrir en profondeur nos lèvres. Et ensuite, on va venir placer notre bol dans une casserole d'eau chaude. Donc vous avez compris, on va réaliser un bain-marie et on va attendre que la base fonde complètement. Voilà, alors une fois que la base stick est fondue, on retire le bol du bain-marie et sans attendre, on va venir ajouter le reste des ingrédients, c'est-à-dire 1,5 g de colorant rouge baiser, soit 46 gouttes. Et ensuite, une goutte de la fragrance pomme d'amour pour parfumer votre rouge à lèvres. Hop. Et ensuite, on n'attend pas et on mélange. On va prendre le corps de l'étui avec son moule et on va venir couler la préparation par ce trou pour que ça tombe bien au fond du mécanisme. Et la petite astuce pour être sûr que ça aille bien jusqu'au fond, c'est qu'en milieu de coulage, vous allez soulever très légèrement le corps de l'étui pour que la préparation coule bien jusqu'au fond. Et on va venir le couler. Voilà. Une fois que la préparation est coulée, vous allez mettre l'ensemble dans le réfrigérateur. Vous allez le laisser poser une heure dans la même position que le coulage. Et ensuite, eh bien, on pourra procéder au démoulage du bâton de rouge à lèvres. Voilà, une fois l'heure écoulée, on va prendre notre moule dans ce sens, donc en le mettant vers le bas. Et très délicatement, on va venir dérouler en faisant bien attention, hop, à ne surtout pas toucher le bâton de rouge à lèvres pour ne pas l'abîmer. Et pour finir, eh bien, on n'a plus qu'à tourner le mécanisme afin de faire rentrer notre bâton de rouge à lèvres dans son étui et ensuite de remettre le socle et le capot. Et voilà donc votre rouge à lèvres qui vous donnera des lèvres rouge passion pour un résultat sophistiqué et glamour.
Alors, petit rappel, avant de l'utiliser, faites toujours un test dans le pli du coude. Je sais que ça fera peut-être un peu bizarre d'avoir du rouge ici, façon prise de sang, mais c'est très important. Si vous ne voulez pas faire de réaction allergique, on teste toujours 48 heures. Et si après 48 heures, aucune réaction n'apparaît, alors c'est bon, vous allez pouvoir sublimer vos lèvres grâce à ce rouge à lèvres. Cette recette prend 30 minutes à réaliser, comptez une heure de refroidissement au réfrigérateur et ça vous coûtera seulement 1,50€ le rouge à lèvres. J'espère que cette recette vous a plu et plaira à vos lèvres. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro de Poudre à Canon. Ciao !